Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc comme vous l'avez vu dans le titre euh, pour le stylet du mois de février à gagner. Donc le le s'est transformé en lait comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Il euh, n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Voilà, j'avais envie. Euh, mois de février c'est euh, le mois de la Saint-Valentin, c'est l'anniversaire de ma première petite soeur aussi qui entre 4 ans. Donc voilà, c'est... <laughs> euh... Non mais je sais pas, j'avais envie, tout simplement. Je... C'est deux stylets qui vont très très bien ensemble. Alors ce sera pour deux personnes différentes quand même, hein. euh, mais ces deux stylets, on va dire, euh, faits de la même façon, voilà, avec euh, juste tout simplement deux, sur deux couleurs différentes, voilà. Donc je vous la montre de de plus près. Il y en a un à, à paillettes bleues, donc avec euh, des comment ça s'appelle euh, Avec des mica. Les deux sont avec des mica et des paillettes, voilà. Donc avec un petit nœud, euh, j'aime bien mettre ajouter un petit nœud au dessus, je trouve que ça fait sympa. Voilà donc un bleu, un rose. Euh, je rappelle le principe. Voilà j'avais décidé en début d'année, comme ça, de vous faire gagner un stylet par mois. Donc bon bah des fois peut-être qu'il y en aura plus que un comme là, hein, mais bon ça ça dépendra de de mes humeurs, de ce que je crée et de ce que j'ai envie de, de faire. Euh à ce moment-là. Alors désolé si ça bouge un petit peu, mais là je vous filme à la main parce que c'est des courtes vidéos, donc je vais pas sortir le trépied pour ça. Euh, donc je rappelle bien le, le principe. Je vous fais, je vous pose soit une question, soit une énigme. En fait, vous suivez simplement ce que je vous dis dans la vidéo, parce que des fois là ça va être encore euh, le premier euh, qui répond, mais des fois ce sera par tirage au sort ou des choses comme ça, voilà. C'est selon ce que je propose de faire, et là ce sera encore euh, le premier, euh, donc du coup les deux premières personnes qui répondront correctement. Euh, par contre, j'enverrai... Euh, alors sauf si. Je, je verrai si les deux personnes ont le, la préférence. Il euh, y en a une pour le rose, une pour le bleu. Voilà, je poserai la question, mais tout en vous disant mar dès maintenant que si les deux me disent le bleu, ben j'en verrai euh, voilà au pif, tout simplement. Euh, je vous donne en même temps le résultat de la première énigme. Donc c'était euh, un avion se crache à la frontière entre euh, la Suisse et la France euh, où enterrent-on les survivants Alors j'ai eu malheureusement quelques personnes qui étaient un petit trop premier degré qui ont pensé que je m'étais trompée, non pas du tout, hein. c'était vraiment ça le but, les survivants on ne les enterre pas, euh, puisqu'ils sont vivants. <laughs> voilà. Donc c'était ça la, les, la, la réponse. Hein. On n'enterre pas les survivants, donc euh, nulle part, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Euh, c'est tout, oui c'est tout, je crois. Donc je rappelle le principe pour la troisième fois, je le dis, mais je ne le fais pas. Vous répondez à l'énigme qui va suivre, euh, et vous m'envoyez, en fait, à l'issue de euh, de cette vidéo, donc je prendrai les deux premières personnes qui ont répondu, hein, donc j'ai le timecode, euh, voilà, des commentaires. Euh, ne trichez pas, s'il vous plaît, parce que je trouve ça pas, voilà, c'est pas cool. Euh, essayez de, de, voilà, vous mettez les deux premières personnes qui répondront correctement, bien sûr, parce que... Euh, des fois vous allez répondre et puis euh, vous seriez peut-être la première ou la deuxième mais si c'est pas bon bah c'est pas bon c'est le but du jeu quand même euh, et donc à l'issue euh, de ah, oh, je vais pas y arriver ce soir à l'issue de, euh, de de la réponse à cette énigme euh, vous me contactez et je vous, vous m'envoyez vos... enfin je, je vous envoie pardon mon adresse je vais pas y arriver je vous envoie mon adresse et vous m'envoyez une enveloppe timbrée alors soit vous m'envoyez une enveloppe timbrée oui, enfin, oui, bon oui, non, je oui, Parce que j'allais dire, s'il y en a que ça arrange de... de... Pff, non, 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 je vois pas trop. Sauf si vous avez d'autres solutions, mais voilà. Euh, le but, c'est que je vous crée des choses, mais que j'ai pas besoin, là, de payer des frais de port. Je pense que je fais déjà assez de concours, de choses comme ça, donc... Euh... Voilà, et ça me permet, justement, vous voyez, de vous faire gagner plus de choses euh, quand j'en ai envie, tout, tout simplement. Parce que ça, comme... en plus, ils ont augmenté le prix du temps. <laughs> donc, euh, voilà. Euh... Donc, c'est parti. Alors... L'énigme est la suivante. Deux pères et deux fils sont dans une chambre d'hôtel avec trois lits. Chacun dort seul dans un lit. Il n'y a aucun lit de libre, ni aucun lit manquant. Comment est-ce possible Voilà. Donc bonne chance à vous, j'espère que ça vous fera plaisir encore une fois. Euh, et je vous laisse sur ces deux stylés du mois de février. Gros bisous à tous.